Bonjour monsieur. Oui, bonjour patron. Comment allez-vous? Je vais bien. S'il vous plaît, présentez-vous. Bon, je suis Bavogui Kama. Je travaille ici avec le poste Kaira. Kaira, ok. Ouais. Quelles sont les activités que vous faites ici souvent? Bon, les activités d'ici, c'est pour entretenir les saumons là et s'occuper des animaux. Ok. Vous êtes là combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Au moins, j'ai fait, disons, deux ans. Deux ans? Ici, oui. Ok. Vous êtes là pour l'entretien de la plantation et s'occuper aussi des animaux. Oui. Bon, vous êtes à côté de quel village ici? Bon, les villages qui sont là, c'est trop loin. Ok, mais... Par là, il y a Modou, par là, il y a Tamiko. Tamiko, ok. Oui. Mais moi, ici, dans la brousse ici. Ouais. Il n'y a personne ici, même si tu vas crier ici, personne ne va pas t'attendre. Ok, ok, ok. C'est moi seul qui dors ici. Ouais. Ah, un jour même, j'ai attrapé, je vous ai montré la saucisse. Ouais, vous m'avez montré. J'ai attrapé encore un vélo ici, là, ça a été fait. Kaira est venu seulement, je lui ai montré. Ou bien. Ouais. Ok, avec vos activités, quelles sont les situations difficiles que vous gagnez souvent dans vos activités? Parce que c'est la confiance que votre boss a vous a porté. Vous êtes là, ça fait très très longtemps. Donc vous travaillez. Si vous ne travaillez pas bien, vous ne pouvez même pas laisser avec lui dans quelques mois. Mais voici maintenant un an et quelques, vous êtes là à travailler. Donc j'étais chargé. Tous mes amis qui étaient là, ils sont partis me laisser. Ils sont tous mais partis. Toujours je suis là. Vous êtes là. Jusqu'à ce que si on gagne une bonne personne, parce que ce n'est pas pour quelqu'un quoi. Ouais. Mais pour gagner un bon travailleur qui est courageux comme moi, il n'est pas pagaillé aussi. Ouais. Bon, je suis là jusqu'à ce que Dieu va nous aider à gagner ça. Okay. Mais si le patron m'aide, il voit vraiment comment il est courageux, c'est lui qui peut, il connaît comment il peut faire quelque chose pour moi. C'est lui qui connaît. Après ça, quel est vos situations que vous pouvez au moins demander à votre patron pour vous aider. Ah, là-bas? Vous avez besoin de quoi et quoi? Là-bas, pour le développement c'est pas autre chose. Si le patron m'aide, parce que quand vous attendez le travail, c'est le manger. Ouais. Quand vous attendez encore le travail, c'est l'entretien. Ouais. À celui qui travaille pour vous-même. Même si vous le payez, mais prenez-lui soin. Ouais. Ou bien. Ouais. Mais si le patron accepte, il me donne mon argent, il paye le riz, il met ici. À même prix de sauce, moi je peux faire sortir. Ouais, okay. Mais toi, tu vas enlever le prix du riz dans ton argent. Parce que je suis payé ici à 1 million. C'est dans les 1 million là. Le franc guinéen. Le franc guinéen. Et actuellement, le marché est très très difficile. Ah. Et tout le monde. C'est très dur, le marché est très donc, dur. C'est dans ça que. Je me nourris, je fais toutes mes petites activités. Donc, si le patron peut m'aider à chaque fin de mois, même si ce n'est pas un sac de riz, un demi-sac seulement, un demi-sac, moi ça me suffit. Okay. Ça me fera plaisir. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Mais là, j'ai vu vos activités, vous avez beaucoup travaillé. Donc, tous ces terrains-là, vous défrichez en même temps, vous pompez. Quels sont vraiment les avantages de la pompe sur le terrain? Bon. L'herbicide que vous mettez sur le terrain, quels sont ses avantages vraiment? En tout cas, l'herbicide sur le terrain, c'est très bon pour les saumons. Là. Vous-même, vous avez vu. Ouais. La partie c'est, où c'est pompé, vous avez vu comment sont les saumons. Ouais. Le saumon, c'est ce qu'on appelle la plante d'acajou. Hein? Ah. Ok. Donc, si d'autres ne t'entendent pas, saumon, c'est ça. C'est ce qui est derrière vous, comme ça, la plante qui est derrière vous. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le saumon. L'acajou. Le patron lui-même, il connaît. Ouais, ok. Il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. Je ne connais pas le patron. Ouais. Mais le patron, peut-être, il me connaît mais déjà. Ouais. Il m'a déjà vu dans le caméra. Ouais. Ou bien. Ouais. Mais. S'il peut m'aider, problème de riz là, parce qu'il avait dit qu'il va augmenter mon salaire, mais jusqu'à présent, je ne vois rien, mais toujours, je suis là. Ouais, il y a de l'espoir, je suis là. Ouais, de l'espoir, ça va aller, ça va aller. C'est une bonne personne. Les portes aussi sont gâtées. Si on peut aller, vous allez les voir. Okay. Là où sont les animaux là. J'ai dit ça à Kaira, mais impossible. Okay. Hier même, il m'a dit qu'il va donner les trucs au caméraman.
que vous allez m'envoyer. Ouais. Je ne sais pas si il vous a dit. Ah non. Ouais, donc, c'est un peu ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ah. Merci vraiment. Merci. Il n'a qu'à envoyer un vétérinaire aussi. Ouais. Il n'a qu'à prendre un vétérinaire spécial. Uh-huh. À chaque une semaine, uh-huh, ou bien à chaque 3 jours, uh-huh, ou bien 5 jours, uh-huh, l'intéressé vient visiter les animaux. Les animaux. Okay. Sinon, si c'est la nourriture ou bien le nettoyage, uh-huh, vous-même vous avez vu là-bas. Ouais, ouais. Ah. Ah, oui, vraiment. Donc c'est un peu ça. Ok, vraiment, merci beaucoup. Mais quand même le patron, il a vu le terrain. Il a vu le terrain. Ah, là où ce n'est pas été pompé, lui-même il va voir maintenant qu'est-ce qu'il peut faire. Tu as vu mon tripier, j'ai travaillé le matin, j'ai filmé beaucoup, on a beaucoup marché, on a filmé tout le contenu quand même. Il va voir tout. C'est quelqu'un vraiment dynamique, il a beaucoup travaillé ici, vraiment. Moi,